Yup tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah bah tu sais, bon, je vous parlais d'odeur de mal alpha. Tac. Là on a un problème, Corentin. C'est toi qui bouge la plante. Il y a une couille dans le pâté. Ah, on a les mains. Je suis en colère. Tombe quoi? Hashtag un iPhone pour Steph, peut-être un téléphone de Mel. Franchement, il est terrible. Salut les gars, écoutez, aujourd'hui nous avons l'arrivée de notre nouveau community manager, Emeric. Là on est en train de faire la visite, il est 10h, on est venu tôt exprès pour l'accueillir. Bon vas-y, je vous le présente. Coucou Emeric. Salut. Ok, on en est aux Stéphane. Donc là on est en train de lui faire visiter les locaux. Et après du coup bah, la plateforme là qui est de plus en plus utilisée. C'est vraiment talk, etc. Donc ouais, open world. Tout bouge en fonction de... Ouais, en fonction des besoins, tu vois. Ce soir c'est à Play, donc ils ont un gros taf dans le plateau. C'est quoi ta première impression quand t'arrives dans les plateaux? C'est hyper impressionnant. Ouais, est-ce que ça fait plus grand ou ça fait plus petit? Ouais, voilà. Je pense pas qu'il y a autant d'espace entre les deux. Après ça ressemble assez. C'est peut-être un peu plus large, un peu plus grand. Lis la gueule de mon message. Oh là là, ça y est. Ça y est, Stéphane repart en vacances. C'est horrible. C'est quand? Vendredi. Jeudi soir carrément. Il est déjà lundi qu'il est déjà en train de parler de ses vacances. Viens montrer ton flow. J'avais une petite veste en plus avec le petit rappel de gland. Parce que j'en ai marre ici que ça me vanne tout le temps. La veste, très honnêtement, je pense, tu peux t'en passer. C'est le flow de quoi ça? Dis-moi. C'est le flow d'un mec qui donne son sang. Donnez votre sang, c'est important. Plus le flow de Amine Mathieu, je trouve. Merci du compliment. Est-ce que tu dis ça peut-être parce que dans le dernier vlog il a dit c'est pas normal que ça soit que toi et Alex qui fassent les vlogs. C'est vrai que je me suis fait clasher un petit peu directement. En tout cas Amine suit les vlogs. Oui c'est vrai. Non mais ouais, vendredi petite vacances. Par contre ça fait vraiment méga longtemps que je suis pas parti, genre 3 semaines. Je pars 4 jours encore. Tu vas faire du quoi, de la sardine encore? Non Lisbonne cette fois, pas de quoi. Ça va être la plage. Je vous cache pas que j'ai pris mon petit monoeil. Vous savez le truc qui sent trop bon, les Caraïbes, la coco là. Oh là là. C'est que moi je me mets du monoeil, je crois que je meurs. Ah oui. J'ai vu un petit tweet ce matin vis-à-vis du Japon. Ils commencent à réouvrir les frontières à certaines personnes, certains groupes de touristes, mais c'est pour des voyages organisés et des gens qui sont triple vaccinés, etc., etc. Donc pour l'instant, c'est pas encore gagné du tout. Mais voilà, on espère qu'avant 2025, on va pouvoir aller au Japon. Ça serait bien quand même avant 2025. Non, pour l'année prochaine. Je pense que ça sera de toute façon pour l'année prochaine. De toute façon, la saison est finie. La saison est finie. Ça veut dire il manque des trucs. Nouveau setup. Je mets là maintenant parce qu'en fait quand tu live, il y a le chat qui s'affiche à droite. Donc du coup je le veux sur un plus grand écran maintenant. Oula, c'est quoi ça? C'est des nouvelles séries. C'est trop joli. C'est une MMO. Ouais, tu sais quoi tous ces boutons? Ça veut dire quoi, c'est une MMO? Pour jouer à des... MMO, MOBA... T'as vu ton bureau? C'est dingue. Il est trop clean même. Faut que tu le ressalisses un peu là. On est la voix off ici. Camille a 26 ans. C'est la plus maladroite de la G-Corp. Ça rendait super bien. Ça rend bien. Je pourrais faire voix off, je pense. Et tu sais qu'elle a one shot quasiment tout. Ça fait plaisir de le voir. Coco, on a un petit tournage à faire après de 10 secondes sur un canapé. C'est la conférence. Mais c'est trop bien, c'est pour l'intro des vlogs. Si vous voulez, on peut déjà commencer à travailler nos entrées en vrai. Mais après, tout le monde est occupé, gros. T'as vu, t'es tout seul à faire des répètes là. Allez, je fais les répètes tout seul. Sinon, juste on vient sur le canapé, on vient s'asseoir. Tu vois, tu veux qu'on fasse la petite intro, un petit coco? Ouais, tu restes assis sur le canapé. Les gars, on part tourner à la dernière séquence de la trouille. Dernière séquence de la trouille, let's go. T'es assis tout seul sur le canapé et ensuite on vient tout seul autour de toi. C'est la séquence de fin. Il faut une personne ici, une personne ici, une personne ici. Tout seul. Gentil. On va faire gaffe, on fait gaffe au gros fiac devant la caméra. C'est bon, il est mort. Voilà, quelle joue pas à la colle, me fait des prises de carte. C'est bon. Allez, merci Coco, merci tout le monde. J'aurais trop aimé être à la place. Bon, du coup, ça y est, on vient de tourner les séquences finales avec Corentin. Et du coup, là, Yann est en train de monter la séquence. Yann, dis-nous tout. Là, on a l'entrée qui est quasiment terminée. Montre-moi ce puzzle. On a déjà tout qui est prêt, quasiment. Et là, il nous manque plus qu'à placer la fin qu'on vient de tourner. Et du coup, là, j'ai plusieurs versions à tester parce qu'on a tourné plusieurs versions pour voir ce qui correspond le mieux. Et pour l'instant, j'ai pas encore fait mon choix. Ce qu'on voit là, l'intro sera déjà sortie du coup. Oui, là, les gens ont déjà l'intro depuis genre 2-3 blocs, je pense. Bah, j'espère que ça vous plaira. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a ici? Back to Basics. Je sais pas si elle passe toujours dans les escaliers, mais genre que c'est bon. Petite pause. Attends, tiens ça deux secondes. Au niveau cardio. Il y a un plan sur Mimi, je peux... Au niveau cardio, vous avez changé, c'est vrai. Ça se voit, t'as donné ton sang. Ah non. 20 likes et je pousse Alex dans les escaliers. Oula, ça passe pas là, si. Non, y a ça une... me fera toujours penser. Moi je passe, c'est toi, faut à la scène de Friends. Pivoter. Payback.
ça passe. C'est au millimètre, hein. Je me souvenais que c'était au millimètre que ça passait. Ça va, Ina? Attends, il y a des traces de table de ping-pong d'avant, là, je reconnais. Ah oui. Ça va, je connais un peintre. Vas-y, one tap, ok. 60 HP, il a pris 2 balles 48. J'envoie mon wall. C'est quel genre d'info? Ça s'envoie pas un wall, ça se pose. Oh non, je l'ai pas eu. Ça a dû lui foudroyer le pouce. Non, c'est le pied. Il lui pose un RTT. Non, c'est pas un RTT, ah, c'est... ITT, ITT, c'est incapacité temporaire de travail. Je vais poser un ITT. Ah, je vais poser un ITT. Mais stop là. C'est pas blague. Bon, c'est pas tout, mais il y a une nouvelle soirée du lundi ce soir. On va aller voir en bas comment ça se passe avec Steph. On va voir qu'est-ce qu'il nous a préparé pour le outplay avec Tommy et Nathéos ce soir. Stéphane! Alexandre! Qu'est-ce qu'on a ce soir? Outplay! Regarde les belles images là-bas, regarde. Oh là 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 là! Jeu numéro 1, dis-moi. Fléchette, avec ton youtubeur favori. Il y a mon youtubeur préféré. Monsieur Gypsy. Jeu numéro 2, top chrono. Glisser les deux anneaux. Regardez comment on one-shot ça. Voilà. Oh, il est chaud! Vous voulez que je one-shot l'autre? Non, je vais pas y arriver. One-shot, one-shot, ensuite... one-shot. Oh, dommage. Ah. Ensuite, petit calcul mental. Fin du top chrono. Jeu numéro 6. Je le sais. Yes, yes, oui, 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 gramme-moi. Gramme-moi, oui, au gramme près, pas gramme-moi. Au gramme près, oui. Ouais, voilà. Steph. Du riz à diviser en deux, 500 grammes de chaque côté, un chou-fleur à couper en deux, et ensuite une aubergine. Il faut avoir exactement le bon grammage. Non, non, mais ça va être super sympa. Les garçons vont bientôt arriver, nous on vérifie que tout est ok. Salut, Dogos. Ça va et vous? Comment va l'équipe? Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Regardez comme ce chat, il m'aime plus que comme il aime ses maîtres. Ah, mais il fait ça qu'à toi en plus. Hein. On est d'accord. Regarde, JK. Assis. Wow. Wow. L'autorité. En gros, je t'ai de donner m'asseoir. Ouais, non, non, pas vous, pas vous. Relève-toi, relève-toi. Pardon. Allez, debout, Jika. Me dites pas Gotha, hein. Oh. Première sur dessus. Quoi? Je disais que l'exclu la semaine prochaine parce que ça sera sorti. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Première sur Outlet. Non, ils sont ok. Didier Snake. Incroyable, je l'ai. Et par contre, ça sera full fête foraine, donc il y a un monde où on veut une machine à points, un truc comme ça. Franchement, mettez le paquet. Et ensuite, il y a le détruit tout. Donc c'est chamboule tout sur ça, mais avec l'arc. Et enfin, time, comme d'habitude, pour finir sur le canapé pour parler. Ouais, très bien, très bien. Ça va quoi? Tu vas bien, tranquille? Ça va quoi? Ça va. Ah, tu vas bien? Mais toi, frère, tu lives avant, tu lives après? Mais je live plus en ce moment, frère. Tu vois quoi là? Je vois Apex, mais là, si j'ai replongé dans les jeux Riot là. Ah ouais? T'es FT, League of Legends, Valorant? Je stream 0, ouais, un peu. Incroyable, Valorant. Ça va, ton boss ou quoi? Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, Bibi. Ça me fait plaisir que tu montes à Paname. Après, on m'appelle, je viens. Ouah, c'est quoi ça? Ouh là là! Arrête, arrête, tu vas ton Recraft, s'il te plaît. C'est trop dur, tu veux pas te Recraft 5. En vrai, le mur. T'as vu, dans des strats? Oh, il a déjà one shot. Oh, le boss. Mais c'est des additions. Ah, c'est des grosses additions quand même. Il y a 3 lignes, mais c'est pas très 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 dur. Je suis mort. Je suis mort. 9 non, minutes a priori. Moi, je vous préviens, si je peux tricher, je vais essayer de tricher. C'est le but. En fait, c'est mauvaise foi et compagnie, tant que tu te fais bon, pas cramer. Voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Donc voilà, messieurs. Coco, il vient de prendre. Ce soir, t'es pas un arbitre, t'es un arpitre. Écoutez la vanne d'Alex, elle est incroyable. Ce soir, c'est pas un arbitre, c'est un arpitre. Excellent. Elle est vraiment pas mal. 5 secondes. Allez, salut tout le monde, bienvenue à tous et à toutes. Hey. On est parti pour une belle soirée d'Aoupla, on est parti très vite, on veut pas vous faire plus attendre. Dégage, balance, il va tricher. Non. Justement, moi j'ai dit, jamais de ma vie je tricherai. Moi je vous préviens, si je peux tricher, je vais essayer de tricher. Comment vont nos deux invités, Nathéos et Tommy? La JL Army est présente sur le chat aussi d'ailleurs, ça fait ouais, plaisir. JL. Vous ne mettez pas le cachet? Non, 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 mais non, pas, mais pas sur ça, pas sur ça, vraiment. Non. Ça a rien. Regarde. Sûr? Ouais, sûr. C'est le jeu perdu pour la team play. Oh, j'ai eu peur. J'ai vu que c'était une erreur, c'était pas volontaire, ouais. Pas de pénalité pour l'instant. On utilise le bolus. Est-ce que vous avez dit que vous avez fait les deux? Ouais, c'est vrai. Yes! C'est pas grave, c'est pas grave, ah ouais, c'est pas grave. Rugby, c'est fini, viens. Va faire, faire, faire. Mais gros! Mais c'est toi, t'es trop nul! Tu es trop nul, frère! Mais c'est facile de le faire après! Tu veux que tu tires plus haut, baisse ton putain de truc! Mais c'est facile de le faire après! J'ai baissé! C'est facile de le faire après et de parler! Tu joues ta victoire là-dessus, gros! Tu joues ta victoire là-dessus, Tommy! 40 secondes pour trouver celui-là! Oh, je sais! Nick Zabit, dis-le, frère! Attends, allez! Un truc sur la bouche, j'ai un truc sur. Là, là. 5 secondes! La raconte! La raconte! 0! Aucune réponse n'a été donnée! Alors là, les gars, ce qui se passe, on est en plein outplay. Corentin et Dogby sont en train de perdre la partie de la soirée. Du coup, ils jouent qui tout double? Voilà, ils jouent qui tout double. Il y a deux gages en jeu. Deux gages. Le premier, c'est qu'ils aillent sur GTRP avec les JL pendant 3 jours. Ça. RP. Corentin, il déteste le RP, il en a jamais fait. C'est dur pour lui, du coup. Et le deuxième, c'est de descendre à la JL House, faire le ménage pour Dogby et faire à manger pour Coco. Et ça veut dire, nous, on descendrait avec le vlog là, et on vous emmènerait. Moi, je vous ça. Dis, je vous dis, j'ai envie que Gotha perde. Père Gotha. Team JL, Tommy et Nathéos. Team JL.
blague. C'est ça. Joker. Comment il rattrape ça? Voilà. Ah comment il rattrape ça? Voilà le tout. Bon, malheureusement, Coco a gagné. Dégoûté, il ira pas à la Gielos. C'est pas grave, ils vont refaire un Gielos. Si Nathéos gagne, ils vont quand même aller à la Gielos. De fou mi. Let's go, Coco Gotaga. Il n'y aura pas de DRP. Et sur les larmes de Nathéos, mesdames et messieurs, sur les larmes de Nathéos, on se quitte. Et regardez qui on reçoit la semaine prochaine. Et là, on reçoit DJ Snake, baby girl. Y'a pas de GTRP, j'ai le seum. J'ai gagné le chiffre. Mais ouais, t'es content, hein. T'as une image de GTRP qui date parce que les gens qui vraiment ont un personnage, c'est très dissocié maintenant et assumé. Ça n'existe plus, hein. Là, la plupart des gens, ils font un perso, genre ils vont faire eux avec un accent ou sans accent. Maintenant, il n'y a plus vraiment cette notion où c'est un personnage qui est inventé avec un background, c'est ça. Qui est vraiment oui, créé. Qui bah, GG les gars, honnêtement, masterclass. Hein. Attention, y'a une game de ping-pong là qui est en train de se jouer juste pour le vlog. Nathéos versus Gotaga. En fait, quand y'a plus de caméra, t'es. Quand y'a plus de caméra, ouais, je suis dans mon état. Je suis genre LAN. Ouh, la spéciale. Oh, aïe, 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 joueur de LAN qui disait. 5. Il a parlé Coco. Non, il a gagné en parlant. Ah. Il y a eu combien de points? Oh, mon Dieu. Après les 3 points, c'est moi qui mets dans le filet. Il est parti en légende en plus. Il est parti, gros, en légende. Ils sont bas les couilles. Il a gagné en 5, sans pitié. Aïe, 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 aïe. Bon, ça va, la soirée était cool? Ouais, en vrai, c'était trop bien. C'était sur les JL, c'est la famille comme d'habitude. Il y a eu de la... quand même un call, ça va quand même aller à la JLOS. Hein. Bah, j'espère, si Coco pourrait faire du GTRP aussi, ce serait un super peu de vlog fun. Là-bas, là. Non, non, c'était lourd. Bien. Gros big up au JL, vous êtes la famille, on vous aime fort, gros bisous. Non, viens, on fait un cœur comme ça. Ouais, ton doigt, c'est le périph, frère. Il est entré de périph, ton doigt, frère. On dirait que je suis un enfant. Mais la taille de nos doigts, je te jure, c'est la même chose. Mais hey. T'es ma ton pouce. Frère, quand tu fais du stop, les avions ils s'arrêtent avec ton pouce. Tu l'as préparé celle-là. Tu l'as vu dans les commentaires. Oui, dédicace à toi qui a mis ce commentaire. Bon, ça y est, fin d'émission. Qu'est-ce que tu vas nous concocter comme petit plat avec les restes de la soirée, déjà, mon petit Steph? Déjà, j'ai gagné 2 kilos de riz. Ouais, déjà, ça c'est bien déjà. Là, il en est trop bien. Tu nous ramènes un truc ou quoi demain, genre? Demain, c'est quoi si je suis chaud? Demain, je cuisine ça, je vous le ramène à midi. Bon, bah, je vous ai pas parlé cette semaine. Je sais que je vous ai manqué. Je sais pas la tête que j'ai. Le dégradé a été fait parce que je pars en vacances vendredi. Encore. Voilà, je vous préviens avant qu'ils le disent. Du coup, on a une semaine pour organiser le hot play avec DJ Snake. Ça fait 2 jours qu'on est dessus. On est en train de commander plein de choses parce qu'on veut faire des choses super. Et là, on est en train de tester un petit jeu. Du coup, il y a Cam et Yann qui sont en train de tester ça. Foutez, je vais vous filmer hein, parce que des images valent mieux que 1000 mots. Ok. Je suis officiellement super forte à ce jeu. C'est vrai? Ah, donc voilà. Je suis officiellement super forte à ce jeu. Ça a l'air bien fun ce truc. J'allais dans mon but, du coup j'ai perdu un point. Bon la team, j'ai décidé qu'aujourd'hui je vais vous filmer Alex K. Parce que je trouve qu'on filme pas assez ce petit crack là. Bon, ça bosse sur quoi en ce moment là? On bosse sur... C'est pour rien dire en fait. Je sais qu'il peut rien dire. Même pas le nom, je peux même pas dire le nom, il y a même pas, il y a rien. On bosse sur un truc qui va sortir dans plus tard, voilà. Merci pour cette info. Et je crois que pour le... Dans les prochains mois. Là dites-vous, on sort d'une réunion de... Je suis arrivé à quelle heure? On a commencé à 11h30. Et on vient de finir, il est 14h30. Et ben ça c'était de la grosse réunion ça. C'est censé être une mini. Il y a quelque chose en préparatif aussi pour le shop, non? Ouais, genre type... il peut parler d'aucun de ses projets, ça me fout droit de rire. Je suis en mode, je peux le dire, je peux pas le dire. Parle librement, tu ton but, Rato. Bip. Et voilà, il carry tous nos petits projets là en visuel et en design. On fait au mieux. Tu nous fais un petit Yola Team? Yola Team. Il le fait bien. Yola Team. Pas fait sourire assez. Vas-y, refais-le nous. Yola Team. Ouais, pas mal. Il faut se pencher un peu, tu vois. Oui. Yola Team. J'espère que vous allez bien. Stéphane est venu me poke tout à l'heure pour me dire, Alex, viens essayer des petites armes d'airsoft. Donc. C'est des répliques d'airsoft. En dessous de 2 joules. En dessous de 2 joules, c'est considéré comme des jouets ou des répliques. Donc c'est des jouets. On ne dit absolument pas armes, c'est pas des armes, c'est des jouets. Du coup, il est venu me voir, il m'a fait ouais. J'ai ramené un sniper. Est-ce que tu peux le tester la lunette, viser, tirer. Je me mets à poil, tu me tires dans les fesses, un truc comme ça, tu vois. Donc je fais vas-y, go, chaud. Enfile les lunettes. Des lunettes de Protec. Non, plus sérieusement, du coup, on va tester la précision, c'est oui, ça. Faut qu'on voit pour régler la lunette. Badass bon. Sur 20. Ouah, mec. Je sais pas s'il est bien réglé. Hein. T'as chargé ou pas? Oh le bâtard. Il est précis, ça va, je suis rassuré. Je vais poser la cam juste à côté de la bouteille, te rate pas. Il est d'une précision sans faille. Alors, je te montre. Vas-y, on va noter ton badass sur 10 avec le sniper. Les gars, j'ai fait le gendarme dans une ancienne vie. Qu'on va entendre le bruit de la bouteille. Oui, monsieur. Facile. Bon, je crois qu'on est opérationnel pour lundi. Hein. Par contre, faut que la cible soit petite, du coup. Et là, si je mets mon épaule, normalement, ça va être plus simple pour toi, regarde. En plein dedans.
Tu vois, ça va être cool pour les garçons et ça change du truc à plomb. C'est trop facile à viser, je trouve. C'est pour ça que la cible va être très très petite et très difficile. Bon, bon, bon. On a plus de caméra. Pendant qu'Élise, elle est. Elle est où, Élise d'ailleurs? À la soirée avec Dwight. Soirée Xiaomi. Et du coup, on sort le téléphone pour filmer. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? De la mousse pour que les petites bides airsoft ne transpercent pas et n'aillent pas abîmer le joli mur qui nous a coûté très très cher. Bon, du coup, on peut pas mettre de timelapse parce qu'on a pas de cam. Mais du coup, on vous filme le résultat final. Bah, si, on a une cam. Pour faire un timelapse? On a une cam. Et en fait, il y a une soirée. Ouais, il y a une game normale et une game mobile. Et mobile, ça va, t'es pas si horrible. Et attends, mais attends. Bah, on avait fait une soirée ensemble, tu le sais. Moi, ce qui me tue, c'est Gotha. Gotha, il met tout, mais il sait pas à quoi ça va donner. Je suis en train. Ok. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus ajouter d'ingrédients. Il faut mixer uniquement. C'est vrai. Un peu plus d'eau ou pas, tu penses? Quand je suis passé derrière avec la scie, franchement, ça a bien bossé, hein. Moi aussi. Oh là là, toi, tu vas te régaler. Oh le chimie, mais quel crack. Ah oui, le gars qui prend tout détail. Avance la gueule, s'il vous plaît. Attends, j'ai goûté comme. On va faire ça bien. Je cherche la pleine. Ce qui vous plaît, bon, c'est pas assez liquide. Et il nous a pas laissé assez de temps pour mixer, quoi. C'est vraiment. Attends, ça prête. Il faut les racheter de l'eau. Ouais. Et il est très similaire. Il avait par contre, on veut encore. Le bâtard, il est pas tout. En termes de goût, c'est grave. Let's go. Le chat a dit 82%. Merci Gotaga. Vous n'êtes pas des lunettes. Est-ce que c'est parce que ces Gotaga avaient vraiment la bonne couleur? Yo la team. Jeudi. Qui dit jeudi dit. Demain vacances, wesh. Bon, on a reçu un des jeux pour lundi avec DJ Snake. C'est un double panier de basket à compteur électronique. Mais ça a l'air super long à construire. On doit le monter. Elise a dit vous faites quoi et tout? J'ai dit bah on va monter un panier de basket. Tu veux l'essayer? Elle a fait oh ouais. Mais faut qu'elle nous aide à le monter avant. Nouvelle journée, nouveau colis, nouveaux arrivages. Trois beaux colis, bien lourds, bien galère à monter. Ah oui, non, c'est le curling. Le curling. En gros, c'est le jeu. Incroyable, mais version géant. C'est le jeu qu'on avait déjà fait. C'est le mini-jeu, mais version géant. Merci la maison du bière. Regardez le gars qu'ils nous ont envoyé. Vous connaissez ce jeu TikTok là? On l'avait déjà mis dans un outplay, mais là, c'est la version énorme. Et en gros, l'idée, c'est tout simplement de ramener le pion comme ça pour que ça passe au milieu. Faut l'essayer là. Prêt? Non, je pense que c'est stable. C'est pas très grave parce qu'on a les courants longs. Bah, je me fais ouvrir la gueule. T'as pas le droit de jouer à demain, gros. Ah merde, je tentais une stratégie. C'est trop gentil de nous envoyer ça, ça. Ah, let's go! Let's go! Je te détruis, Yann. Parce que je veux te détruire. On va passer à gauche, donc c'est à toi de tirer. C'est à moi. Faut que tu lâches un petit peu. Stop, laisse-moi tirer. Ouais, vas-y, vas-y. Relâche un tout petit peu, toi. Ok, et là, faut que ça rentre dans le triangle. Vas-y, tire. Et là, on a gagné. Deuxième. Ça en émission incroyable. Salut Steph. Ouais bah je me suis fait virer, ça aura duré une petite année quand même, bah ça va, t'as fait ton expérience, t'as vu un peu comment ça se passait ici. J'espère que je vais pas trop vous manquer les viewers. Ouais. J'espère que Mel donnera des explications. De toute façon, on reste amis en dehors de la G-Corp. Hein. Ouais, bah toi et moi, on est amis, pas comme avec certaines ici. Ouais, salut tout le monde, c'était un plaisir. Allez, Steph, à la prochaine. Du coup, on recrute un chef de projet senior. Vous me manquez déjà. Yo la team! Bon, petit flow négatif aujourd'hui, mais on s'en fout. Alors aujourd'hui, j'ai posté et j'ai annoncé sur mon Twitter que j'avais une équipe féminine Valorant. Et le problème, c'est que moi, je vais annoncer un truc de dingue, tu vois. Genre, je suis censée bosser avec les meilleurs et je me suis dit, bah vas-y, je vais demander aux responsables de contenu de la G-Corp et aux monteurs des best-of de m'aider pour faire un highlight ou un frag movie, c'est comme ça qu'on dit, de mes copines et moi, quoi. Et je sais pas, j'arrive au taf, je leur dis, les gars, vous pouvez me faire un petit montage de nos clips, etc., etc. Et pourtant, je leur ai dit, ouais, votre sera le mien, quoi. Et genre, ça veut pas. Pourquoi? Bah, je sais pas, peut-être tu me dis, hein, c'est soit le fait que tu sois arrivé et que t'aies dit que tu nous payais en visibilité. Qui ose dire que je te paye en visibilité? Qui ose dire? Mélina Houssen, tu connais? Je sais pas. Non, mais le truc bonus en plus, c'est que maintenant elle allume la caméra, voilà. Et elle vient. Là, maintenant, on va se faire menacer dans les commentaires. Tu prends les viewers en otage. Vous me faites passer pour qui? Tu sais quoi? Je te fournirai plus de contenu vlog de mon côté. Alors, je vais te dire, c'est très chiant. Voilà. Y a pas de ça, c'est du chantage. Donc, en gros, je dois monter ton highlight, sinon tu me fournis plus de. Ouais. J'ai pas le choix, c'est ça? Oui, t'as pas le choix, mais c'est moi qui dois le monter, quoi. Ah ouais. Moi, je délègue, tu sais, c'est mon travail. Non, mais je te le ferai. Tu vas le faire? Ah ouais? Tu vas le faire? Oui ou non? Ouais, de ouf. Croise les doigts. Tu graves le faire. Mais. Tu peux pas prendre en otage comme ça, les gens, même. Mais je les prends pas en otage, je vous propose du travail. On a du taf. Du travail. Aïe.
Et coucou, j'ai aussi la bière du vlog. Ah. On va la voir. Allez, let's go. Et attention, l'image, première image, ce serait pas l'intro des vlogs montée par Yann dans le nouveau vlog de la V1 qu'on va aller regarder tous ensemble. Oh là 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 là, tout le monde est hype dans les commentaires. On a reçu plein de trucs là, non? Ouais, enfin bon. Oula. Non, je suis pas contente. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? En gros, pour la soirée avec DJ Snake, la soirée Outplay. Ça va incroyable d'ailleurs, j'espère que vous l'avez tous regardé, vous avez kiffé. Exactement. Il y a eu plusieurs commandes de passer sur internet pour des objets de déco, même des objets utiles, etc. pour l'émission. Dont une machine à popcorn. Oh. Mais une machine à popcorn, je la pensais plus grande. Non, mais c'était sûr. J'espérais que ce soit plutôt cette taille là, ouais. Tu vois. Et après, il y a quoi dans les autres colis? Ok, les boules pour mettre dans la machine à pince. Ah oui, on a une machine à pince. Oulala, là là, what? T'as fait un peu trop popcorn là. J'ai fait la dose demandée moi. C'est bon, on peut manger? Moi je veux celui-là. Bon bah voilà, après ton nature là tout de suite. Par contre ça fait un bruit d'enfer, hein. Donc ça tourne pas en live ça. Hein. Ils sont bons en tout cas. Ouais, c'est l'attraction les gars, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est terminé. Je vais tourner. T'es obligé de ressortir là. Ouais, il faut tourner. Mais attends, j'essaie. Mais tu vas vraiment perdre ton taf toi. Oh, super, elle est plus maladroite en vrai de vrai. Allez, on va cacher. Allez. Elle est bien cette plante ici, je trouve. Elle va bien cette musique. Oh. 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 Très belle prise. J'ai eu le bouchon. Hop là, let's go. Sans, j'ai toujours été un crack à cette machine. Alors tu chopais des trucs? Ah, je chopais toujours des trucs. Shifumi, celui qui perd, il mange un insecte. Shifumi. Ah, mais il est tout KO lui. Avale. Faut ouvrir la bouche et tirer la langue comme dans Koh-Lanta. Bienvenue chez nous, le patron, le dégain. Comment tu vas? Ça roule. C'est pas pour toi? Ouais, grave. Mettre les lunettes de sécurité et... C'est à lui qu'on parle. Non, non, c'est pas. On a gagné.